Hey, salut à tous! Voilà, vidéo pour extraire un CD sur une Xbox 360 FAT. Tout simplement, il faut enlever le cache qui est devant. Donc, tout simplement, pour réussir à enlever un cache sans galérer, rentrez le doigt et accrochez à cet endroit-là. Vous tirez un peu avec le doigt et ça vient tout seul. Là, on accède au lecteur. Tout simplement. Vous voyez ici, il y a deux petits trous. Le trou le plus petit, c'est l'endroit qui permet d'éjecter le CD. Donc, conseil, trombone, tournevis hyper fin. Moi, j'ai mon trombone. Je rentre pile dans l'axe. Voilà, je suis avec la vidéo, donc je galère un peu à bien vous montrer. Je vais essayer. Ouais, je vais faire comme ça. Voilà, comme ça. J'appuie. Hop. Parce qu'il me faut deux mains. Voilà. On va la refaire à plat, hein. On est d'accord, vous avez tous vu où il y a l'encoche. Et j'avais appuyé. Alors, on commence. Tac, je mets sur l'encoche, voilà, j'y suis, j'appuie. Ça ne veut pas venir. Ok. Grosse galère. On va recommencer, on va la refaire à hein, mon crispé parce que c'est vrai que je l'ai mal pris avec la vidéo, je revoyais molle, donc là je me mets bien dans l'axe. Voilà. Et là j'accède. Alors en fin de compte, il faut vraiment être à plat. Parce que là, essayer de vous la montrer avec la vidéo, j'arrive pas en fin de compte. Voilà. Mais bon. Voilà, en fin de compte, il faut que la console soit vraiment vraiment à plat. Sinon on peut pas éjecter le CD. Je le refais au cas où. Comme ça, au moins vous le voyez, je me mets sur l'encoche, voilà, je suis sur l'encoche, je la pose à plat, je me mets sur le truc, j'appuie, voilà. Voilà, tac. Et voilà. Bon, un petit peu plus compliqué, il faut un petit côté de technique de rotation de la trombone. Voilà, donc écoutez, vous avez vu. Je vais faire les autres consoles, de toute façon, ne vous inquiétez pas, toutes vont y passer. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, ça m'aide, vraiment, franchement, ça aide. Et puis, si vous voulez me suivre, vous savez comment faire. Allez, je vous aime tous, ciao!